Bonjour à tous, c'est FaZe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bloodborne. Alors, suite à la vidéo précédente où je prenais tanné sur tanné par le mec qui a éclaté mollo, je pense que vous vous attendiez pas à me retrouver ici. Mais alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais là. Je vous avais dit que je souhaitais modifier, enfin améliorer donc, du coup ma deuxième épée pour pouvoir la mettre en feu ou foudre. Pour pouvoir avoir deux épées, une épée élémentaire et une épée normale, pour adapter suivant le monstre, voir qu'est-ce qui lui ferait le plus de dégâts. Et donc du coup... pour ce qui est de farmer les fragments de sang, ça va, c'est pas trop dur. Par contre, pour ce qui est de farmer les fragments jumeaux, c'est un peu plus technique. Donc du coup, voilà, Yargul... Oh merde. Village, je sais plus quoi, truc mais noir. Et donc, hop, il suffit de tuer cela. Normalement, lui, il faut le backstab. On gagne du temps. Et on save de la vie. Ok, et il vous file, hop, un fragment jumeau. Donc ouais, on part de Yargul l'invisible, donc on descend par là, tac 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 tac, et après on va se téléporter dans le calice. Et donc pourquoi est-ce que The fait ça? The fait ça parce que en fait je vais essayer d'aller battre le monstre électrique, alors à gauche, hein, pas à droite. On va se retrouver face à un loup humain, avec des morceaux humains. Le souci c'est que ce trou du cul... Oh yes! Il est en train de se rapprocher du tireur là, je sais pas si vous reconnaissez, on est sur le pont. Ah bah voilà. Allez, hop, un petit fragment de sang. On va se dépêcher pour éviter de se faire aligner par l'autre. On fait gaffe à celui-là. Comme ça, ça c'est bon. J'ai pas fait assez de bruit d'habitude, elle se rapproche. Hop, voilà. Rapide. Et hop, et un dernier fragment. Et normalement, nous voilà arrivés à 8. Parfait. Pour pouvoir l'améliorer à fond et lui mettre l'élément feu. Donc hop, on fait demi-tour. Tac. Donc petit chargement, alors oui c'est pour ça aussi que j'ai plein d'âmes en haut à droite dans mon compteur, parce qu'en farmant on gagne pas mal. Ensuite, alors le but du jeu est aussi donc, pour farmer de se renvoyer l'ascenseur, parce qu'une fois qu'on l'a fait descendre après il faut tuer l'autre et puis attendre qu'il remonte, c'est relou. Du coup, c'est pour ça qu'on fait le chemin à l'envers et qu'on n'utilise pas des petits parchemins. Il va falloir faire gaffe à ma vie. Je vais y aller. Alors là, la console va ramer, elle va pas aimer. C'est dur. Y'a l'autre, il tire une position inconnue. Du coup, la console elle est pas d'accord. Et hop, retour au rêve du chasseur. Alors je suis bête, je voulais vous demander un truc, sauf que du coup cette vidéo là sortira dans tellement de temps. Que bah du coup c'est rien que je vous pose la question, je vais essayer de faire autrement là. Je vous aurais posé une question normalement sur YouTube. Actuellement je suis en train d'upload la vidéo 24 et je suis en train d'upload jusqu'à la vidéo 28. Donc comme là c'est la 29. Voilà, quelques soucis du coup de dilatation du temps.
Donc du coup, je peux pas me permettre de vous poser cette question. Donc vous l'aurez déjà eu et vous aurez la réponse de vos réponses. Et dans quelques vidéos quoi. Alors je veux du feu. Je veux du feu parce que je vais aller attaquer le monstre de Food. Le monstre de Food. Alors ça c'est 7 et ça c'est 3. Alors clac. Le souci c'est que je sais pas c'est quel. Être costaud augmenté ou monstre augmenté. Je pense que c'est un monstre. Ok, hop, et ensuite on infecte donc la deuxième, voilà, comme ça, j'en ai une en foudre et une en normal. Bienvenue chez vous, bon, que désirez. Je désire augmenter de niveau. Peut-être augmenter un peu l'ésotérisme. Pourquoi une d'ailleurs? Pourquoi il y en a une qui est à 360 et puis l'autre qui est à... Wait. Adieu, bras puissiers. Wait. Ah. Oui, effectivement. Bon, après, elles sont pas au même plus aussi. Mais du coup, comme elle est passée en élément, elle fait beaucoup moins mal. Et d'accord. Donc en fait, là, j'augmente mon arme normale. Et là, j'augmente mon arme à élément. D'accord. Ça ferait pas de mal quand même d'augmenter, de booster un peu la stamina. Si je pouvais faire une ou deux attaques en plus, ça pourrait être cool. ...1034 PV, vas-y, je crache pas dessus. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Hop. Alors le souci, c'est que là, je sais pas... Ouais, bah en fait, si, je sais. Foudre, normal. Les jeux hypogènes. Je crois que c'est là qu'il faut... Ah, merde. J'ai pas accès aux geôles. Je peux pas aller en prison. Ah ah. Bon du coup on va se taper un chargement de 40 secondes, je suis désolé. C'est la dure vie de Bloodborne, ça pourrait bien qu'ils mettent ça à jour, mais ils pourront pas parce que ces gros bœufs ne savent pas gérer la mémoire. D'ailleurs il y a un glitch qui a été trouvé, un glitch. Un petit problème que la console a les moyens, si vous laissez une dizaine d'heures en fait votre console en veille sur Bloodborne, comme c'est possible maintenant avec la mise à jour 2.5, ça va squatter la mémoire et donc du coup après en fait les boss ils pourront plus utiliser toute leur technique. Merde, il y a un lézard qui a foutu le camp. Ils seront plus. Ces idiots seront plus capables d'utiliser toute leur technique. Alors non. Silence, femme. Pardon, messieurs. Je veux juste passer. Alors là, il y a des hunters dangereux, hein, faut faire gaffe. Je les ai pas oubliés. Alors ensuite, là, il y a une vieille qui veut m'égorger. Ah, ils ont foutu un chien. Il n'y a plus qu'un seul géant sur les deux, il y a un objet. Morceau de pierre de sang. Oh, cool. Cool, c'est bien ça.
Ok, le monstre électrique est toujours là. Donc on va essayer de le tartiner au feu. Par contre, je vois que j'ai un bonus en fait qui disparaît. Quand je suis pas full life. Ouais. Paf. C'est curieux. Ok, donc voyons voir combien de dégâts je dois te faire maintenant. Ah mais je peux te... Ouais. Ouais, ça j'aurais dû le voir venir. Ok, 133. Achai. Achai. Ouch. D'accord. D'accord. J'ai compris. Ça fait mal. En même temps, j'ai une armure qui résiste au feu. Il va falloir que je regarde si j'ai pas une armure qui résiste à la foudre d'ailleurs. Je suis con, moi. Ah merde, j'ai rangé toutes mes armures. Oh non. Ah, je suis pas fait de suite là. D'accord, donc l'épée de feu, ça a l'air pourri. En gros, il faut tout foutre dans l'ésotérisme si on veut que les armes élémentaires en fait fassent des dégâts. J'ai l'impression. Hop hop hop, toi tu te barras pas cette fois. D'ailleurs. Les orbes cristal là. Oh, oh. Il m'a filé deux morceaux, ça vaut de l'or ça. Pardon, pardon, pardon. Je l'ai échappé belle. Oh, bonjour messieurs. Ah t'es là toi. Donc on a dit c'était un toutou en bas. Ah merde. C'est vrai qu'il y avait un PNJ dans le coin. Ah je sais où il est mais... Mais c'est pas le bon plan pour y aller. Il faut que je nettoie les monstres sur la route. Ce serait plus safe. Bon, on y retourne. Je l'aurai ce monstre électrique, je l'aurai. En plus, il a l'air de garder quelque chose. Donc, raison de plus pour lui tartiner la gueule. Ouais, j'ai fait 300 là quand même. Je sais pas ce que je lui ai fait mal, mais je lui ai fait mal. Il doit y avoir un truc en particulier pour lui arracher la foudre du corps. Je sais pas ce que j'ai tapé depuis le début, mais c'est cool, ça me va. Je sais pas ce que je tape, mais franchement, c'est cool. En plus, ça le paralyse à chaque fois. C'est nice. Ah ouais. Je sais vraiment pas ce que je lui ai tapé, mais le pauvre, il a pris cher. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Ah, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Je sais pas ce que je lui ai mis, mais je lui ai mis. Ah, non, je sais quelle porte. C'est ça. Il y aura les deux loups-garous à droite. Enfin, trois, ils sont même. Et voilà, des fragments de pierre de sang. Donc voilà, maintenant vous savez sur quel deux types de loups-garous vous pouvez farmer vos morceaux de pierre de sang. J'ai même pas regardé d'ailleurs si j'avais... Je vais ressortir mes armures de mon coffre, moi.
Zut. Alors si lui il vient pas de me faire du 1 PV là. Je m'appelle plus Phase au 1 PV. Enfin fail. J'ai eu peur, j'ai cru que la roche était un brouillard, je me suis dit merde, qu'est-ce que c'est que ce truc qui est derrière. En fait non, y a rien. Ça va, l'église est gardée par personne, j'ai le droit d'y aller. On sait jamais, il y a la moitié des trucs qui sont cachés. Bon du coup d'ailleurs, parce que pour ce que je vous disais en début de vidéo, la question que je poserai, ce sera sur... je vais essayer de le mettre sur mes dernières vidéos, mais surtout sur Twitter, donc n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, d'habitude je fais pas ce genre de truc, mais là je le fais, parce que bah du coup oui, c'est bien pratique quand même, donc Twitter, @FazeRPG, un classique, pour savoir... Ah oui, mais non, il en vend qu'un. Pour savoir. D'accord, c'est pour avoir la massue que j'ai débloquée en fait. Ok, génial. De la merde. En plus, c'est calqué sur l'ésotérisme, ça. Bingo. Pas d'armure. D'ailleurs, elles sont pas résistantes à la foudre, celles-là, par hasard. Si, elle torse de celui-là qui résiste. Bon. Ok, ok. Donc oui, n'hésitez pas à suivre mon Twitter pour suivre un peu l'actu de l'avancement de mes vidéos, ce genre de truc. Il en faut 8. Non, non, je vais pas améliorer l'arme avec, tu peux te grader. Réparer, ouais, ça peut être bien. Du coup, ça c'est pourri en fait. Ça c'est naze en fait, les éléments. Est-ce que j'ai pas un meilleur joyau pour un... Non. Et toi, plus 18, plus 7,3, donc je vais plutôt me mettre sur celui-là. Donc ça, je l'ai déjà. Je vais plutôt mettre celui-là, du coup. Comme ça, j'ai une arme qui fera l'un et une arme qui fera l'autre. Ah bah, ouais. Il y a un meilleur joyau. On en profite, on le met. D'ailleurs, ça, on va les enlever. Alors, petite session inventaire, hein. Faut bien y passer de temps en temps. Ouais, non, voilà, c'est sûr. Ok, donc ça c'est bon. Donc au cas où j'ai d'autres... Ah oui, comme ça vous pouvez jeter un oeil en même temps sur... Sur Akai, ça ressemble. D'accord. Ouais, non. Genre, j'ai d'autres en temps normal. Ouais, si, des armes, ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous pour le coup. Ok, très bien. Donc du coup, on va voir si je peux pas améliorer un peu... Ah, pas... Bon, ça baisse la défense physique, mais pas mal sur le reste, hein, quand même. Ça ressemble à quoi, ce truc-là? Oh, que c'est vilain! Je préfère celui-là. Ma foi, ça, c'est pas mal, quand même. C'est un peu moins de défense, mais alors, par contre, le reste, il est bien boosté.
Oh là, Dom Diego. C'est Dom Diego qui fait Zoro. Ouais, mais du coup, en fait, le couvre-chef du loup gris, il envoie pas mal le pâté. Hein. Bon, ça augmente les défenses. Y'a pas un truc qui résiste aux balles? Il faudrait un truc qui résiste aux balles. D'ailleurs... C'est ça, les armes c'est scale sur le sang. Donc en fait du coup il me faut de la défense face au sang. Est-ce qu'il y a une défense au sang? Ouais, dev versus sang. Ok, très bien. Bon bah du coup je m'habille en Edio. Mais c'est l'Edio. C'est ça, je vais t'habiller en membre du Ku Klux Klan. Bah, et s'il faut ça, il faut ça. Ouais, ok. Bon, bah, je suis habillé en Edio. Edio part à la chasse, Edio perd sa place. Par contre, du coup, je suis en train de penser qu'il y a un truc de débile dans ce que je suis en train de faire. C'est que cette gemme-là va me servir à rien du tout contre l'autre. Ouais. Bah si je peux infliger du poison, moi je dis pas non. Par contre c'est peut-être pas la bonne. C'est ça, c'est pas la bonne. Ok, excusez-moi. Ok. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ok. Oh. Oh. Ah. D'accord. Et si on faisait, pourquoi pas, comme ça? Oh, attendez. Je suis perdu. Ok, c'est là qu'il n'y a rien. Ouais voilà, comme ça j'ai une arme qui fait mal aux bestioles et puis j'ai une arme qui fait mal tout court. C'est mieux comme ça. Ouais, si c'est mieux comme ça. Paf 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 paf. Bienvenue chez vous, désirez-vous? Très bien. Ah, je peux monter un niveau. Ou alors. Ouais, parce que je sens que je vais en manger. Hop là, voilà. Et le reste, on va acheter des cailloux. C'est bien les cailloux. Oh, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un vendeur. Il va peut-être vendre un truc intéressant. Voilà, il me vend ça. Ah, on peut lui acheter ça aussi. Bon, ça fait un peu cher quand même. Deux. Il va falloir farmer les donjons du calice, hein. Tac. Faubourg de la cathédrale. Alors, vu qu'on va se taper un chargement, je vous invite à aller boire un coup. Moi, ce que je vais faire. Sauf que j'ai plus d'eau dans ma bouteille. Bah, tant pis, du coup, on va se contenter d'attendre gentiment la suite des événements. Et on va... Ah zut, non... Bon, on va se concentrer sur ça. J'essaierai de pas... Je vais essayer de le tuer. Je vais faire deux ou trois essais. Je vais essayer de le tuer, j'espère y arriver. Il y a intérêt que j'y arrive. Et pour la prochaine vidéo, il faudra que j'oublie pas d'aller chercher l'autre qui est dans la prison. Oh. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est morte? Oh. Oh. Oh.
Oui, effectivement, tu vas pas bien. Oh, brave chasseur, comment est-ce arrivé? Un monstre, ici. Pourquoi? C'est ma faute. Attaquer et dévorer jusqu'au dernier, et c'est ma faute. Que les dieux me pardonnent. Je suis désolé. Mais en fait, c'est pas safe du tout ici. Je voulais juste rendre service. Une fois dans ma vie, ils m'ont dit que ça ne marcherait jamais. Maman me l'a toujours dit. Tout le monde me le disait. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû... Que les dieux me pardonnent. Je suis désolé. D'accord. Il y en a deux qui se sont fait zigouiller. Et toi, tu vas bien? Oh, encore vous. Vous tombez à pic. J'en ai encore. Vous voyez? Ah, c'est gentil, ça. Oh, eh ben... Vous en avez jamais assez? Ah non, je comprends. Je suis pareil. Oh, je vous dois vraiment une fière chandelle. Vous m'avez trouvé un endroit parfait. Il y a Anguille sous roche avec toi, quand même. Mais oui, mais c'est lui. L'autre, il dit une bête. C'est lui, il est en train de me filer des trucs pour se transformer en bête. Je peux pas le tuer. Je peux pas. Ah, vous êtes dingo. Oh la vache. Vous buvez le sang de la moitié de la ville, et maintenant vous m'attaquez. Vous parlez des monstres, mais ce sont les chasseurs les véritables tueurs. Oh, j'ai bien vu. Oh ah, tcha 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 tcha. Oh, il fait mal! Oh, il fait mal! Ok, vas-y, je suis prêt, amène-toi. Comment qu'il a défoncé le corbeau? D'ailleurs... Cette épée-là sera plus efficace. Ah, j'ai pas la synchro pour l'esquiver, lui. Non, mais non! Descends pas avec ta torche, toi! Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh, putain de merde. Bah, il s'est fait défoncer la gueule, d'ailleurs. Il a défoncé la gueule du loup-garou. Il a défoncé la gueule du loup-garou. Oh, merci, c'est gentil. Adieu. Oh dur! Oh putain, c'est lui! J'ai sauvé ma prostituée! Oh dur! Oh putain! Pas de pitié. Euh...
pour les hommes monstres. Oh, l'enfilé de Saras. Merci toi en tout cas. Par contre j'ai un pépin maintenant. J'ai pu. Ouvre le raccourci, voilà, voilà. En espérant que ça régénère mes. Ah le sale. Ah le petit saligo. Ah, le petit saligo, quoi. Ah, j'y crois pas. Oh, quelle tâche, celui-là. Donc, en fait, lui, il faut garder l'hôpital, et lui, il faut l'envoyer à l'hôpital. Ça va être ça qu'il faut faire. Comme ça, l'autre, après, elle est toute contente et tout, elle a eu un monstre. Ou ça se trouve, c'est il va la zigouiller. Oh, ce serait marrant, ça. On l'envoie à l'hôpital, et puis zigouille la meuf de l'hôpital. Ah, ce serait funky. Ah putain, ouais, j'avais pas fait le lien tout de suite. Le mec, il me file des trucs pour se transformer en monstre. Et puis t'as l'autre là qui pète un câble avec ses monstres. Oh putain, ça m'a pas rechargé mes. Non, mais c'est bon, plus besoin de te pardonner. Je l'ai tué le monstre. Bon, par contre, j'ai sauvé que la prostituée du coup. Les deux là, ils sont canés quoi. Ah, il y a peut-être le message qui le disait là. Soyez prudent avec l'embuscade. Ah, bon, ça c'est pour. Ça c'est pour plus tard. Bon bah du coup je vais faire que. Ah salaud. Putain, t'as pas le droit de me faire un truc pareil. J'ai besoin de ma vie, enfoiré. Enfin j'ai besoin de mes trucs de soins. Non mais. Te barre pas toi. Elixir bleu, non, c'est pas ça que je veux. Je veux du soin. Je m'en fous des balles de vif argent. En même temps, je suis un peu con, j'ai attaqué. Ils sont où? Là, y a le cabot. Il est censé avoir deux mecs. Bon, est-ce que Molo est en bon état? Parce que du coup, j'ai battu un autre boss. Bon, Molo est toujours là. Ma proie m'attend par là-bas. Va-t'en. Toi, t'es le personnage que j'aime le plus dans ce jeu, t'as pas droit de mourir. Je te sauverai, Molo. Bon, baston mec. Oh le bâtard. Ok, ça c'est fait. Bon bah au moins, faut avoir le bon côté des choses, je récupère mes 20. Mais viens fiole de sang. Après ces 20 fioles de sang, je vais pouvoir. Donc, du coup, bon. On a le temps de chargement, je le retente une fois, du coup, parce que je me suis juste fait violer. Et s'il lance une attaque, c'est moi qui vais essayer d'envoyer un coup de fusil. On va voir. Allez. D'ailleurs, j'ai jamais essayé de calculer les bonus. Ah ouais, mais c'est chiant à calculer parce que t'as les deux types de. Ouais, c'est relou. J'y avais pas pensé, vu comme ça. Non, mais toi, t'as pas le droit.
Oh, des fioles de sang. Oh, putain, j'ai le seum, en fait, c'est à cause de lui. J'ai tué deux PNJ, quoi. Chier. Bon, là, tu vas me filer des balles de vif argent. Ouais, à la limite, les balles de vif argent, vu que je les utilise aussi. Ça pourrait être bien d'en faire un. Hop, petit stock. Oh, il m'en a filé trois. Oh, comment. Toi, t'as dû te faire arracher la gueule, mon grand. J'ai dû t'arracher la gueule avec le côté de ma lame. Reviens, reviens, reviens. Te barre pas, attends. Ouais, en raw, en brut, les armes font quand même beaucoup plus de dégâts. Ils sont mignons avec leur... Ah ouais, mais celle-là, elle est amplifiée par rapport à l'autre. Ouais, mais j'ai foutu les bonus aussi sur celle-là. Ouais, je sais pas. Allez, baston. Je gâche trop de balles. Non, mais non, mais sérieux, t'as pas le droit de me faire des trucs pareils, de m'achever avec une pauvre balle de merde. Bon. Bah du coup, tant pis, ce monsieur va être reporté à la vidéo précédente. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de découverte de farming et de fail. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. Je vous souhaite bon courage dans vos aventures de Bloodborne et à la prochaine. Tchuss.